écrire à l'intérieur d'une cellule Excel. Je suis apprenant général, épidémiologiste et informaticien. Rapidement, on commence. OK. Là maintenant, je suis sur Excel. Je suis Excel. Comme vous voyez, c'est un tableau avec beaucoup de petits carreaux, des carreaux par-ci, des carreaux par-là. Mais les carreaux sont inscrits parfois quelque part. Vous voyez, quand je clique, il y a deux couleurs qui s'activent. La couleur de la colonne et la couleur de la ligne, ce qui correspond à un indicateur. Il faut dire que l'indicateur qui me vient, c'est qu'il y a, un chiffre, il y a une lettre et un chiffre qui correspond. Là, je vois, c'est la colonne Q et c'est la ligne 10. Là, c'est la colonne C, c'est la ligne 12. Là, c'est la colonne A et c'est la ligne 1. Alors, on appelle ça les références de cellules. Alors, chaque cellule a une adresse, pas référence. Chaque cellule a une adresse. C'est-à-dire, ce sont des adresses de cellules. Comme vous voyez, les adresses de cellules apparaissent en haut à gauche, ici. Vous voyez K11, C21. Ça, c'est extrêmement important. Bon, maintenant, pour écrire, c'est comme sur Word, pour écrire dans une cellule. C'est facile, vous n'aurez qu'à écrire. Quand je veux écrire. Bon, si je veux écrire la France, par exemple. La France. Ok, j'écris la France. Ça, c'est facile, dans une cellule. Oh, wow. Mais, vous allez voir comment je pourrais jouer avec ça. Une fois que c'est activé, je dois cliquer ailleurs. Quand j'ai fini d'écrire à l'intérieur, j'ai fini. Là, c'est pas activé. Là, je sélectionne. C'est pas encore activé. Double clic. Là, c'est activé. Je peux modifier la France de mon enfance. La France de mon enfance. Et qu'est-ce qui se passe là maintenant? J'ai comme l'impression que ça a laissé l'espace des deux cellules. C'est un petit problème là. Il faut corriger ça. Cela doit rester à l'intérieur de ma cellule. Bon, on peut arranger ça de deux façons. On va écrire la France de mon enfance dans une cellule. Pour faire ça, il faut que vous renvoyiez à la ligne de texte. Le bouton renvoyer à la ligne, c'est ici, c'est en anglais, c'est Wrap Text. On peut cliquer sur, vous voyez, Wrap Text, renvoyer à la ligne automatiquement. Je clique sur Wrap Text. Voilà, la France de mon enfance est dans une cellule. Là maintenant, jusqu'à présent, je suis dans la cellule J13. J'ai rien fait de compliqué, je fais que mon travail. Mais je pourrais également ne pas faire ça. Je pourrais dire que j'aimerais que la France de mon enfance s'écrive et s'installe sur trois cellules. C'est-à-dire, cellule J13, cellule K13 et cellule L13. Dans ce cas, je dois fusionner ces trois cellules avec la France de mon enfance. Pour fusionner, je sélectionne. Quand je sélectionne, la première cellule ne va pas prendre de couleur. Et voilà, c'est OK. Vous voyez, je sélectionne, première cellule, aucune couleur. Je sélectionne, première cellule, aucune couleur. OK, c'est-à-dire la France de mon enfance. Maintenant, je sélectionne les trois cellules que je veux fusionner ensemble pour que la France de mon enfance apparaisse. Le bouton fusionner, c'est ici. Je clique ici sur Merge et Center, voilà, la France de mon enfance est là-bas. Bon, on va apprendre quelque chose d'autre. Supposons qu'on écrit Aïwa. Aïwa, c'est une marque. Aïwa, ok. Ça peut être un pays également. Vous voyez, Aïwa, ici, est aligné à gauche. Pourquoi Aïwa est aligné à gauche? Alignez-vous à droite, Aïwa. Aïwa est aligné à droite. Mais il y a un petit problème. On va élargir le cadre. Vous voyez, là maintenant, il y a un problème. Aïwa est à droite et en bas. Je veux que Aïwa à gauche, sa ligne à gauche. Aïwa au milieu. Je clique sur le bouton milieu. Hein. Ça, vous le connaissez. Mais cette histoire de à droite, le bouton à droite, vous voyez là. L'aliment à droite, l'aliment centré, l'aliment à gauche, ça c'est latéral, mais il y a des boutons verticaux qui vont vous permettre d'aligner ça verticalement. Verticalement, je peux dire en haut et
désactiver en bas. Vous voyez en haut, en bas. Aligner à droite, en haut, en bas. Maintenant, je peux dire centrer, en haut, en bas. Tout comme je peux dire verticalement, centrer au milieu de la cellule. Voilà. Vous devriez pouvoir mettre Aiwa dans environ 9 points à l'intérieur d'une cellule. Aiwa, en haut. Aiwa, à gauche. Vous voyez où je clique, hein? L'aliment à gauche. Aiwa, en haut, à droite. Aiwa, en bas. Je désélectionne en haut, et ça va directement en bas. Aiwa, en bas, au milieu. Aiwa, en bas, à gauche. Aiwa, au milieu. Au milieu, mais à gauche. Aiwa, au milieu, centré. Eh bien, voilà. Vous savez maintenant comment écrire. Et je reviens dans une autre vidéo pour vous montrer d'autres astuces, qu'est-ce que vous pouvez faire à l'intérieur des cellules. Thank you.